Voici Morgane Cadignan, elle vous aime pas. Elle vous aime pas, mais pourquoi? Comment ne pas aimer Claire Borotra? Oh la crevure. Claire Borotra, je vous aime pas, même si après avoir parcouru très sérieusement votre biographie, j'ai trouvé plein d'éléments hyper intéressants en 1989. C'est génial. Vous vous inscrivez au conservatoire de Versailles en cachette de vos parents. Et je trouve, moi, c'est depuis génial. 2022, cette information m'est tellement mignonne. Vous êtes une délinquante, mais chic. Genre, j'ai fugué pour aller au CDI. À Versailles. Quand je me suis inscrite en cachette de mes parents, je vous assure que c'était vraiment sous un faux nom. Ils croient que j'ai fait Erasmus à Prague, alors que j'ai passé 2 ans dans la mafia tchèque à faire du trafic. Au début, je ne savais pas. Je savais pas bien du trafic de quoi. Je cherchais à monter un business avec un bon nom d'entreprise pour avoir une enseigne cool. Puis, comme dans Morgane, il y a Organe, bah c'était tout trouvé, quoi. Allez, bim, trafic d'êtres humains. Le bison troué, ça s'appelait, on a bien rigolé. Tu te rappelles, Daniel? Claire, en 2006, vous animez sur TPA Star une émission consacrée au développement durable. Et c'est fou parce que ce sujet-là, en 2006, vous êtes un peu une pionnière. En 2006, le développement durable, les gens devaient vous dire « Oh, bon, ça va pas intéresser les gens, ça ». Et 16 ans plus tard, pas beaucoup plus. On ouvre quand même un peu plus de Naturalia pour la forme. Mais vraiment, honnêtement, le dernier rapport du GIEC, il est passé aussi inaperçu que mon anniversaire qui était lundi dernier et que personne dans l'équipe ne m'a souhaité. Non, je déconne. J'aime bien leur déclencher des petits stress gratos pour m'assurer que le système cardiaque fonctionne correctement. Mais hey, regardez Nagui, ça marche, hein, pas une ride grâce à moi. Parfois, je lui lâche des petits trucs, genre tiens, j'ai croisé ta femme, on a parlé de toi, j'ai appris des trucs. C'est faux, mais ça fait l'effet de 3 expressos sans abîmer le foie. Donc ne me remerciez pas. Après, si quelqu'un a un problème de foie, vous me dites, il doit me rester quelques modèles en arrière-boutique. Tout ça pour dire que ça devait être fou de parler de développement durable en 2006 quand les gens qui buvaient dans des gourdes étaient forcément moniteurs de canyoning. Et ça devait être dingue de bosser sur TPS Star aussi. C'est un nom de chaîne de télé. Si ça te dit quelque chose, t'es pas sur le point de fêter tes 18 ans. Si TPS Star, ça vous parle, c'est qu'il est temps de faire un rendez-vous assurance vie avec ton conseiller GMF et de commencer à y aller mollo sur le sel. Tellement Moi je connais. Aujourd'hui, vous venez nous présenter la série Face à Face, dont les héroïnes sont 2 demi-sœurs qui se rencontrent à la mort du père. Et figurez-vous, ça a été très longtemps, moi, quand j'étais petite, un de mes rêves, pas la mort de mon père, mais de découvrir une sœur ou un frère caché. J'avais vu 25 fois le film À nous 4 avec Lindsay Lohan qui découvre qu'elle a une sœur jumelle à 11 ans. Et j'arrêtais pas de demander à ma mère une sœur jumelle, genre vas-y maman, fais-moi une jumelle, s'il te plaît. Bon, j'étais rêveuse, mais quand même un petit peu con, faut le dire. Et à force d'insister, j'ai eu un chat. Et bah, figurez-vous que 20 ans plus tard, chez le notaire, bah, je suis bien soulagée que Caramel, il me demande pas la moitié de la baraque. Donc, visez la lune, au pire, vous atterrirez dans la litière. Et encore aujourd'hui, parfois, je pense à ça. Et je me dis peut-être un jour, en marchant dans la rue, je vais tomber sur quelqu'un qui me ressemble beaucoup trop, qui a en sa possession une moitié de médaille ou de photo dont j'ai l'autre moitié. Après, le souci, c'est qu'il faut une preuve que t'es lié par le sang avec un inconnu. Et moi, ma tache de naissance, elle est placée très en haut de ma cuisse et un petit peu derrière. Donc, si je croise quelqu'un que je soupçonne être mon frère ou ma sœur, le seul truc que je puisse faire, c'est de lui montrer mon cul en lui disant « Hey, tu t'appelles pas Cadignan ?» Et ce pitch de ma série. C'est marrant, ça me rappelle l'autre soir aussi. C'était bien. Hein. Et donc, je viens de vous pitcher ma série qui s'appelle « Fesse à fesse ». Ça mérite. J'en ai parlé à François et à France 3. Françoise. Attends, excuse-nous. C'est toi qui as bossé jusqu'à 3h du matin. Qu'est-ce qui se passe? Je ne pas, mais je vous ai regardé. En revanche, j'ai peut-être une chance sur TPS Star. Merci Morgane Cadignan.